Et bonjour à tous, c'est Michel, bienvenue dans la deuxième vidéo sur Project Cars 2 sur ma chaîne. Aujourd'hui on est en Formula X sur le circuit de Spa-Francorchamps. On va faire 2-3 tours d'essai, donc le but c'est de vous montrer avec le simulateur dynamique les grandes accélérations de la Formule 1, ou la Formule X dans ce cas-là, vous m'avez compris. Donc voilà, on va faire 2-3 tours d'essai. J'ai pas beaucoup pratiqué ce circuit avec ce véhicule, donc il se peut que je sois pas à l'aise des fois à certains virages. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un commentaire. Et si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Donc on va se préparer pour le premier virage. On va sortir tranquillement des stands. Donc voilà, on accélère à fond. Donc on sent le passage de chaque vitesse, on sent le frein. On va couper à gauche. Pour l'instant c'est pas mal, on va peut-être prendre mieux mais c'est pas mal. On va juste aller jusqu'au bout. Et ouais, donc c'est le genre de virage comme ça où je les connais pas encore assez bien, donc il se peut que je sois un peu lent pour certains. Mais il faut juste s'entraîner. Donc là pareil, bon je freine un peu trop tôt. Seconde. On passe la seconde et on fonce. Ouais, j'ai un peu galéré à passer le rapport. 6. Ici, on va tester. Ouais, ça va, je l'ai pris pas mal. Ah, c'est vraiment, on est hyper adhérent au sol. C'est vraiment excellent. Là, on passe la 3. Petite sortie, c'est pas grave, on continue. J'ai déjà les mains totalement agrippées sur le volant. Ouais, beaucoup trop rapide. Ouais, je pensais avoir un repère, mais non, finalement j'ai attendu beaucoup trop tard. On s'y fera pour le prochain tour, pas grave. Les tours sont rapides donc on peut en faire plusieurs. Un peu, j'ai démarré le virage un peu court peut-être. On va attendre un peu plus et surtout prendre plus de vitesse. On est déjà en sixième. C'est pas mal, mais je me demande si je pourrais peut-être pas ne pas passer la rétrograder en cinquième, peut-être garder la sixième, elle tiendrait, faudrait que je teste. 4 et troisième. Ah, là ça commence à être pas mal en virage. Je monte un peu. Ouais, non, là j'ai débordé, c'est pas grave. On a peut-être pas dû rétrograder, on s'est retrouvé vite en limite de moteur. Là, je fais n'importe quoi, je suis pas assez concentré. C'est pas grave, allez, on continue. Ah non, là j'ai même pas besoin de passer à la cinquième, peut-être qu'il me manquerait juste un peu de régime, mais elle tient en tout cas. Juste obligé de lâcher un peu avant, là pareil, 4 ou 3 plutôt, ouais, voilà. Là pareil, bon, j'ai pas trop pris la corde, mais c'est pas grave. Bon, apparemment je suis sorti de la piste selon le jeu. Je crois que c'est un peu vrai, hein, mes pneus je les ai sentis sur l'herbe. 3, 2 et 1. Voilà, beaucoup plus propre. Bon, ça va avoir mal aux mains. Je vais essayer de prendre plus de virages. Ah, ouais, j'ai les pneus à l'intérieur qui ont bloqué, on les a bien vus. Pas ouf du tout. Continuer, c'est très bien comme ça. On va essayer de le passer en sixième.
Bon, je l'ai mal pris, mais en tout cas, on voit que ça se passe en 6ème sans lâcher. Donc, on va continuer comme ça les prochains tours. On a déjà commencé notre 3ème tour là. On peut déborder. Hop là. Et la 3ème. Bien à l'intérieur pour pas trop manger. Bon, ici, je me suis quand même foiré. En fait, je sais pas si ici c'est valide ou pas, si on reste sur le vibreur, mais les deux pneus à l'extérieur, je connais pas parfaitement les règles. Si on va passer la 2ème pour être sûr de bien reprendre la santé du virage. Là, ici, ah non, ouais. J'y suis allé beaucoup trop vite, j'aurais dû lâcher le pied un peu avant. Ça se parle pas beaucoup, c'est un peu concentré. Mais là, en tout cas, c'est pas mal ce qui se passe. Je pense qu'on va faire un petit dernier. Ah voilà, ah, le pneu il a juste un peu bloqué. Mais dans l'ensemble, ça allait. On a réussi à garder le contrôle et à freiner comme il fallait. Ah, le pneu il bloque. Je suis habitué à mettre trop de pression sur le frein, parce que là, à chaque fois que je freine, il se bloque. Ah, donc là, on l'a pris nickel, en 6ème à fond. Donc on pourra savoir pour les prochaines fois. On arrive, 4, 3. On a pris peu de retard. On coupe ici, c'est nickel. Je dis on coupe, il reste bien à la corde, on va pas tenter d'aller sur l'autre côté. Et c'est ce qu'on a fait, donc c'est cool. 5, 3. Ouais, là ça y est, on a dépassé. On voyait les pneus qui bloquaient de toute façon. Boosté, et voilà. Et on est renversé. C'est pas grave, on va repartir doucement. Enfin, doucement, j'ai dit. Voilà. Ça repart, on sent vraiment bien les vibreurs avec le simulateur. On est un peu secoué, on le sent bien. Ouais, voilà, là il faut bien que je lâche ici à l'extérieur. Bon, là pareil, j'ai débordé, c'est pas grave. En tout cas, on a bien senti qu'il fallait lever le pied, sinon ça marchait pas quoi. Ah, ici, j'ose pas trop accélérer parce que j'ai peur de vite déborder sur les côtés. Et là, la dernière ligne. Bon, dernière grande vitesse du circuit. Nickel, les pneus ont même pas bloqué. Et voilà, c'était rapide, hein, 4 tours. Oh, j'ai totalement débordé, je pensais pas que c'était ici l'entrée. En tout cas, ouais, voilà, c'est passé super vite les 4 tours. J'espère que la vidéo vous a plu, hein, comme je l'ai dit au début. Si ça vous a plu, petit j'aime ou petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et surtout partager la chaîne sur les réseaux sociaux. Salut à tous!